Thank you.
Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Feel,
Bonsoir tout le monde, on arrive dans quelques minutes. Avant de commencer le live, on va faire un test sonore. Dites-moi si vous entendez ma voix. Thank you.
J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Heureux de vous revoir ce soir, encore une fois, pour un live exceptionnel. Un beau sujet, que le sujet de l'humiliation internationale du régime marocain. On va en parler dans quelques instants. Je vous laisse vous installer et je suis à vous dans quelques secondes. Piano Jazz, ça va être plus tranquille pour parler. Malahba tout le monde, big up, nihao, salut à Saralo, avec nous, comme à son habitude, Smeltaz, Faidaz et Dunia avec nous aussi, pour la modération. Bienvenue à tous, ça sera un live, on va dire, assez court, vous pourrez, si vous le voulez, participer. Je vais vous laisser le lien du StreamYard. Donc, j'invite Dunia à le partager. Mais avant ça, avant de participer, on va évoquer un petit peu le sujet de ce soir. Donc, comme vous l'avez compris, le régime marocain est devenu un petit peu fou ces derniers temps. Il s'en prend à tout le monde. Après s'être fait gronder par l'Europe pour ses bêtises. Donc le régime marocain se comporte tel un enfant gâté, insupportable, lequel on aurait grondé après qu'il ait cassé tous ses beaux jouets. Il en veut à la terre tout entière. Ce retour de ses alliés naturels en les traitant de conspirationnistes et fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire n'importe quoi. Il menace l'Europe de mettre fin à de nombreux traités. Il envoie des chars à l'Ukraine en se mettant à dos la Russie, le monde arabe et toute l'Afrique. Il entraîne les pauvres Marocains dans une guerre qui n'est même pas sur leur continent et qui n'est certainement pas dans leur intérêt. Les pauvres Marocains, déjà exténués par la misère et les injustices de toutes sortes. Pour le Maroc, tant qu'Israël et les États-Unis assurent sa protection, le reste n'a aucune importance. Bah oui, tout ça pour cette remontrance légitime de la part des Européens. Le Maroc touche bien des aides annuelles mirobolantes de ces pays et s'engage à respecter les droits de l'homme, à faire vivre tant soit peu dignement le pauvre peuple marocain, ce qu'il ne fait évidemment pas. Des généreux donateurs ont le droit de soumettre celui qui profite de leur argent à quelques critiques dans l'espoir que ce dernier fasse au moins un effort, que la corruption internationale dont il s'est fait une spécialité soit moins visible, que le peuple qu'il soumet à la famine et dont il piétine les droits fondamentaux respire un peu plus. Que nenni, Omar Radi, Ressouni, Mohamed Ziane et tant d'autres sont encore en prison. Et les corrompus se font toujours corrompre. Mais dorénavant, une page s'est tournée et les choses ne se feront plus dans la discrétion la plus totale. Des voix internationales se mêlent dorénavant aux nôtres, aux cris de révolte du peuple marocain, pour qu'un jour enfin nous puissions reprendre les rênes de notre destin. Bienvenue les amis dans ce live qui va traiter, comme vous l'aurez compris, du comportement enfantin du Maroc actuellement par rapport aux pays européens et vis-à-vis aussi de la Russie. Mais avant cela, on va tout d'abord voir un petit reportage de quelques minutes, d'une dizaine de minutes de la chaîne Arte, très intéressant sur cette affaire et sur l'affaire Morocco Gate, un reportage qui vient de tomber sur leur chaîne. Vraiment très intéressant. Donc on va lancer ça tout de suite.
L'affaire est digne d'un film. Voilà, Maroc au guet. À quoi joue le Maroc? On se demande bien. Donc, c'est la question qui a été posée par Arte dans ce petit reportage d'une dizaine de minutes très intéressant que je vais partager avec vous tout de suite. L'affaire est digne d'un film hollywoodien. Des valises d'argent liquide, un flagrant délit, des agents secrets et des accusations d'ingérence étrangère. Bienvenue dans la vraie vie, celle d'un Parlement européen qu'on découvre corrompu par le Qatar, mais aussi par le Maroc. Le royaume chérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Mais qu'attend-il de ses partenaires européens? L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Maroc. En 2019, 64% des exportations marocaines étaient destinées à l'Union européenne et à l'inverse, 51% de ses importations provenaient de l'un des 27 pays membres. Les relations entre l'Europe et le Maroc sont anciennes, mais elles n'ont fait que se renforcer et se diversifier au cours des 20 dernières années. Le Maroc et l'Union européenne partagent des relations de bon voisinage, les accords d'association depuis les années 60. Le Maroc est le seul pays qui bénéficie dans les États du Sud de statut d'État plus avancé. Le Maroc bénéficie aussi d'une aide économique substantielle de la part de l'Union européenne. En contrepartie, le Maroc collabore d'une manière inconditionnelle et continue sur la question des flux migratoires, sur bien sûr le rapatriement des personnes refoulées, mais aussi l'échange surtout d'informations importantes concernant les réseaux djihadistes. En décembre dernier, une enquête de la justice belge aboutit à des perquisitions et des arrestations. Plusieurs élus, dont une vice-présidente du Parlement européen, mais aussi un ancien député Antonio Panzeri, sont soupçonnés d'avoir touché d'importantes sommes d'argent liquide du Qatar pour faire taire les critiques sur l'organisation de la Coupe du Monde. C'est le Qatar Gate. Très vite, on découvre que le pays du Golfe n'est pas le seul à avoir corrompu des élus européens. C'est le Maroc Gate. Maroc Gate, c'est une affaire qu'on a découvert en enquêtant sur le Qatar Gate, puisque l'ex-député M. Panzeri avait déclaré aux enquêteurs belges, mais aussi suite à des écoutes téléphoniques, que le Qatar n'était pas le seul responsable de tentatives de corruption et d'influence sur les parlementaires européens, mais le Maroc est aussi impliqué. Rappelons l'affaire. Antonio Panzeri, que voici, a longtemps été responsable des relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait entretenu des relations troubles avec Abderrahmane Atmoum, un diplomate marocain duquel il aurait obtenu de l'argent liquide et des cadeaux. L'affaire est embarrassante parce qu'elle éclabousse le Parlement européen et jette le soupçon sur ceux qui travaillent avec le Maroc. Vous avez une écrasante majorité de parlementaires qui font leur travail de manière extrêmement sérieuse et intègre et qui sont, comme moi, extrêmement en colère. Et cette colère est d'autant plus forte s'il était avéré qu'il y ait eu tentative de corruption de certains de mes collègues de la part d'acteurs marocains, que ça porte préjudice à notre volonté à travailler avec le Maroc. Au quotidien, les parlementaires doivent bien sûr discuter avec des pays étrangers. Mais où placer la ligne rouge à ne pas franchir? À quel moment les discussions se transforment en influence, voire en ingérence, quand on discute avec un acteur qui veut défendre ses intérêts? Les positions divergent au sein de la délégation pour les relations entre l'Union européenne et le Maghreb. Moi, je n'ai jamais ressenti, si vous voulez, de pression de la part des Marocains. Par contre, qui défendent leurs intérêts avec beaucoup de détermination, ça c'est sûr. C'est vrai que la délégation marocaine est particulièrement présente, active, proactive, contacte les députés. Et avec le recul et l'apparition de ces affaires, de ce scandale et du lien évident avec le Maroc, il est vrai que cette Assemblée, par exemple, n'a pas adopté de résolution d'urgence qui soit critique vis-à-vis du Maroc depuis de nombreuses années. À l'aune de ces révélations, il est effectivement intéressant de revenir sur certaines décisions prises par l'Europe ces dernières années. Comment expliquer, par exemple, que l'affaire Pegasus ait été étouffée malgré le scandale? L'affaire Pegasus, c'est l'usage excessif par les autorités marocaines d'un logiciel d'espionnage
vendus par Israël à très peu d'États, le Maroc en a bénéficié et la justice parlait de 100 000 personnalités qui ont été espionnées, dont bien sûr des personnalités européennes, parlementaires, des ministres, parmi elles même le président français. Évidemment, toutes les chancelleries occidentales ont tout fait pour étouffer cette question et certains parlementaires proches des autorités marocaines ont aussi tout fait pour que le Parlement européen ne condamne pas la pratique marocaine en termes, bien sûr, d'espionnage. Autre affaire embarrassante, pourquoi l'Europe a-t-elle signé un accord de pêche avec le Maroc alors même qu'il ne respecte pas la législation internationale et notamment l'autodétermination du Sahara occidental ? Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole revendiquée à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, le territoire est occupé aux deux tiers par le Maroc, le reste étant sous le contrôle du Front Polisario qui défend l'existence de la République sahraoui. L'ONU estime que c'est au peuple sahraoui lui-même de dire s'il veut être indépendant. Les autorités marocaines sont contre, elles tentent donc de faire pression auprès de leurs partenaires européens pour qu'ils adoptent leur position. Ce fut notamment le cas lorsqu'il a fallu négocier cet accord de pêche. Les discussions ont été assez dures, assez âpres, notamment parce que cet accord inclut le territoire du Sahara occidental. Or, l'Union européenne s'aligne en principe sur les points de vue internationaux, notamment des Nations unies, et on sait que dans le cadre de ces travaux, de ces négociations, il y a eu un lobbying intense pour influencer les membres de ce Parlement. Autre sujet délicat, la question du respect des droits humains au Maroc. Longtemps tabou, le sujet a finalement été mis sur la table à la faveur des derniers rebondissements. Omar Hadi, Hajar et Souleymane Ressouni, Taoufik Bouachrine, voilà quelques noms de ceux dont les droits à une justice équitable sont bafoués au Maroc pour leur travail de journaliste. Le temps de l'impunité semble révolu au sein de l'hémicycle strasbourgeois. Mi-janvier, les parlementaires européens ont adopté à une écrasante majorité une résolution condamnant les atteintes à la liberté de la presse au Maroc, en citant notamment le cas d'Omar Radi, un journaliste indépendant critique à l'égard du pouvoir et condamné à 6 ans de prison. Elle constitue un tournant dans la pratique européenne, du Parlement européen à l'égard d'un État allié, d'un État ami, et à l'égard aussi d'une certaine liberté de la presse. Le Maroc connaît un grand déficit, comme d'autres pays. Jamais auparavant, le Parlement européen a osé franchir ce cap de condamner publiquement et avec quand même presque unanimité le Maroc. Preuve de son caractère inédit, cette résolution a été âprement commentée de l'autre côté de la Méditerranée, par les défenseurs des droits humains qui se réjouissent de ce changement de ton, mais aussi par les parlementaires marocains qui se réjouissent un peu moins. Ils ont dénoncé une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures marocaines et préviennent qu'ils vont reconsidérer leurs relations avec le Parlement européen. Il faudra donc observer dans les prochains mois l'évolution ou non de la relation entre le Maroc et l'Union européenne, une relation d'interdépendance qui devrait sans nul doute résister au soubresaut du scandale de corruption révélé en décembre dernier. Bravo, bravo, big up à Arte qui a fait son job, qui a bien fait le travail journalistique. Il y a une vraie synthèse par rapport à cette situation, un résumé parfait. Je ne peux pas dire plus, mais le Maroc est en colère et en fait beaucoup plus. Et je voudrais vous avoir comme intervenant par rapport à ce petit tableau des chars qui sont envoyés par plusieurs pays européens et dont le Maroc, qui apparemment commence à faire partie de l'Europe et qui se mêle de guerres qui ne le regardent pas, qui ne sont ni sur son territoire, c'est incompréhensible. Donc là, on voit qu'il y a les États-Unis, la Pologne qui a envoyé 60 chars, le Canada qui envoie 4 chars, et le Maroc qui envoie plus de chars que le Canada. Incroyable, incroyable. Le Maroc envoie 30 chars. Pourquoi ? Comment ? Peut-être, j'imagine, pour faire plaisir aux États-Unis, mais
les Marocains n'ont rien à voir avec le continent européen ni avec la guerre en Ukraine. On est tous désolés de cette guerre, on voudrait que la paix se fasse, mais apparemment le régime marocain veut nous entraîner vers une troisième guerre mondiale et pourquoi pas vers l'apocalypse, en tout cas pour les Marocains, en faisant raser le seul pays qui participe à cette guerre, le Maroc. Voilà, 30 chars, un pays pauvre, misérable, dont le peuple n'a rien demandé à personne, qui est entraîné de force dans cette guerre. Donc, on imagine que la Russie va réagir, et on a entendu dans quelques médias tout à l'heure, médias russes et médias proches de la Russie, qu'il y aura une réaction. Donc, c'est vraiment navrant de la part de ce régime terroriste criminel d'agir de la sorte, sans que rien ne puisse se faire. Le peuple n'a pas été concerté. On n'a pas demandé aux Marocains s'ils voulaient rentrer dans la guerre avec la Russie. Mais quelle folie! Mais c'est vraiment une folie. Donc, tout ça parce que l'Union européenne a fait quelques remontrances nécessaires au régime marocain par rapport à la corruption et au non-respect des droits de l'homme. Là, le Maroc fait n'importe quoi. Et bon, on a vu aussi l'Espagne venir comme un petit toutou, genre pour faire ami-ami avec le roi, dire que nous, on n'est pas des ennemis du Maroc, comme nous a habitué Sanchez ces derniers temps, malheureusement. Mais voilà, donc les alliances continuent à se faire avec l'Europe, bien évidemment, mais on voit que le régime marocain ne sait pas réagir aux critiques. C'est bien un signe de faiblesse. Et on va quand même lire pas un article entier, mais un petit passage de la réponse marocaine. Et si vous voulez intervenir, les amis, ça sera tout de suite, car le live sera très court. On y mettra fin certainement après la lecture de l'article, enfin du petit passage. Parce que ce soir, je voulais simplement partager avec vous cet excellent petit reportage d'Arte qui fait une synthèse formidable de la situation pour nous. C'est aussi un peu clore le sujet. Tant qu'il n'y a pas de nouveau, on n'y reviendra pas. Donc, on va aller sur l'article. Voilà les amis, avant de vous donner la parole, je tenais à vous lire un peu la réponse du Maroc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on va zoomer un petit peu. Ok, c'est fait. Bon, je vous évite tout l'article, hein. C'est un peu de la propagande. Donc, c'est sur Maroc Hebdo, résolution de l'UE contre les dessous d'une conspiration vaine. Donc, on est dans la conspiration du monde entier et contre le Maroc. Pourquoi ça? Question, on se demande. Pourquoi le monde entier voudrait du mal au Maroc? Alors, bon, je vous évite l'article, c'est juste la conclusion qui résume un petit peu toute cette propagande. Voilà, chasse gardée. La résolution du Parlement européen est donc le fruit d'une tractation politicienne qui a été concoctée au niveau des États membres. Car la question des droits de l'homme n'est, en définitive, qu'un justificatif, une instrumentalisation pour imposer une pression et une ingérence dans les affaires d'un pays souverain. D'accord. Donc là, ils veulent du mal au Maroc. Ils passent par tout ce qui est manquement aux droits de l'homme pour soutirer quelque chose au Maroc. Là, on ne sait pas ce que les pays européens veulent soutirer. Une chose est sûre.
le Maroc a mis vraiment en colère les grandes puissances parmi les 27 membres de l'UE. Pourquoi ? Voilà, donc il pose la question. C'est la présence de plus en plus marquante et étendue du Maroc en Afrique qui dérange certains pays européens. Donc là, le Maroc se prend pour la Chine ou pour, je ne sais pas moi, pour la Russie, pour la France, hein, des pays bon, assez puissants et qui ont une grande présence, une présence très marquée en Afrique. Mais bon, là, à part quelques sociétés du régime marocain de Mohamed VI, je ne vois pas l'influence énorme du Maroc en Afrique. À leur tête, la France. Ah, voilà. Donc là, c'est, ils sont à fond dans tout ce qui est anti-français ces derniers temps, parce qu'on a vu un rapprochement de la France avec l'Algérie pour des affaires économiques, de gaz, et ainsi de suite. Et ça a vraiment mis en colère le Maroc que la France se rapproche de l'Algérie. Donc là, paf, allez, un petit coup pour la France. Alors, à leur tête, la France, qui ont perdu leur pied et leur position au niveau de l'Afrique et ne supportent pas que le Maroc empiète sur leur chasse gardée. Bon, je ne pense pas que l'Empire français en Afrique puisse être comparé à quelques sociétés du roi, bancaire ou autre. Voilà, la présence est un petit peu économique, mais bon, la France, la Russie actuellement, ou même la Chine, a une présence qui détermine l'avenir de l'Afrique. Le Maroc, je ne pense pas. En outre, les États profonds en France, en Espagne et en Allemagne n'admettent toujours pas que le Maroc veuille les mettre devant le fait accompli, selon lequel les États-Unis, première puissance mondiale et membre influent au Conseil de sécurité de l'ONU, aient reconnu la marocanité du Sahara. Voilà, on repart dans les bêtises du régime concernant le Sahara et appuyer le plan d'autonomie marocain comme solution sérieuse pour le règlement définitif de ce différend régional sous les auspices des Nations Unies. Donc, c'est toujours comme un petit caniche qui se cache derrière son maître. Il faut expliquer au régime marocain que pour devenir une puissance, il faut avoir des ogives nucléaires, la bombe atomique, hein, comme la Corée du Nord, comme la Russie ou comme Israël, ou je ne sais pas, comme tous les pays qui ont la bombe atomique. Là, on pourra te craindre, Mohamed VI, mais te cacher toujours derrière un soi-disant ami. Quand ce soi-disant ami ne sera plus ami, tu auras de grands problèmes, très cher dictateur. On a bien vu ce que ça a donné avec Kadhafi, qui était bien accueilli, pourtant, en France, qui a pu faire sa tente à l'Élysée. Kadhafi, qui, à une période, était ami de la France et ami de Sarkozy, ce qui ne l'a pas empêché la France de massacrer M. Kadhafi. Donc, il faut faire attention. Quand on n'a que ses amis pour se protéger ou pour intimider ou pour faire peur ou pour régler ses problèmes sécuritaires, militaires, on est certain qu'à un moment ou un autre, on va se faire trahir et on va droit dans le mur. Donc, je conseille au régime marocain de commencer à réfléchir à s'approprier des ogives nucléaires, une bombe atomique, pour vraiment faire peur aux autres nations, pour peser un petit peu, ou simplement respecter les droits de l'homme, respecter son peuple, développer son économie, un peu comme a fait le Qatar. Je reviens toujours à cet exemple, parce que les droits de l'homme, évidemment, ne sont pas tout. Il y a aussi le ventre, comme diraient certains. Si la fortune du roi était partagée avec tous les Marocains, si on donnait ce qui est dû aux Marocains de leurs terres, on partageait le phosphate, l'or, les diamants, le pétrole, le hachiche, tout ce que produit le Maroc, on n'aurait pas de problème. On revient à l'exemple du Qatar, un pays qui n'est pas un exemple peut-être de démocratie, mais dont les citoyens sont respectés et vivent très bien. Et on devrait arriver au moins déjà, la première étape, à ce niveau-là, partage des richesses. Et je serai le premier à dire vive le régime marocain, vive le roi. Mais là, on n'a ni la démocratie,
ni respect des droits de l'homme, ni partage des richesses, ni une vision pour le pays pour avancer, comme a eu la Chine, un pays qui s'est développé en 20 ans, qui est sorti du tiers-monde et qui est devenu la première puissance mondiale. Donc, aucune vision d'avenir, rien. Voilà, juste le pillage continu du peuple marocain. Ils n'admettent pas aussi que le Maroc ait poussé les gouvernements allemands et espagnols à adopter une position favorable au Maroc par rapport à cette question et que la diplomatie marocaine ne cesse de critiquer ouvertement et sans détour la position figée et non évolutive des Européens. Et ils ne tolèrent pas également le développement des relations militaires entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Car tout bonnement, ben là, il faudrait surtout se développer militairement. Pourquoi toujours avoir besoin des autres pour avancer? C'est bien ça le problème. C'est que le Maroc restera, là on ne parle même pas des problèmes de la dictature marocaine, d'une manière assez objective, pour un pays, pour qu'il se développe, il doit avoir une certaine autonomie. Là, le Maroc est toujours dépendant. Quand ce n'est plus l'Europe, là, il veut se passer de l'Europe, de la France, donc il va vers d'autres maîtres. Donc, le régime marocain reste toujours soumis, esclave, à une tierce personne, les États-Unis et Israël. Bon, donc là, il désigne ses maîtres, car tout bonnement, ces ententes renforcent le Maroc comme puissance régionale. Entente, soumission, un allié majeur de l'OTAN, cautionné par le pays de l'oncle Sam. Aussi, il n'accepte pas que le Maroc se tourne vers d'autres partenaires que les Européens, ce qui explique une indépendance progressive, économique et politiquement essentielle de l'Union européenne. Quand on comprend le pourquoi, le comment devient secondaire ou subsidiaire, mais la manière a l'odeur d'un complot cette fois. Voilà, on est dans le ridicule. Dans le ridicule le plus complet, quand on n'a pas d'argument, le Maroc, le régime marocain sort son joker, théorie du complot, parce que les autres nous jalousent. Voilà, on est dans le ridicule le plus total. Les amis, il est temps de vous donner la parole. Vous pouvez allumer vos micros. Alors, qui est avec nous ce soir? Attendez un instant. Bon, alors, 2, 3. Bonsoir, Monsieur Clever West. Monsieur oui. Aziane, qui est avec nous? Putain. Allô. Oui, Clever, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis marocain. J'ai vraiment des problèmes. Je suis jaloux des Européens. Je veux bien que mon Maroc soit comme plus que la Norvège. D'accord. C'est bon? Votre intervention est terminée? Non, c'est pas terminé, mais... C'était court, hein, mais vous avez le droit. Hein. Non, mais présentation, mais c'est pas... Ah non, je plaisante. On va accueillir Monsieur Aziane. Samir et tout, tu vois. Voilà. Je reviens vers vous dans quelques secondes. Monsieur Aziane, qui est avec nous. Bonsoir, c'est Philélu. Bonsoir. Alors, ami transformiste ou comment dire, comédien peut-être, tout au moins, qui change de voix à chaque émission, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Aziane, comment allez-vous? C'est un plaisir d'être là, très très bien. Super, et vous, votre épouse, tout le monde va bien? Ah bah ça va, tranquillement. Là, la voix, elle est vraiment naturelle. Hein. J'aurais pas su que c'était vous, je me serais dit, voilà, c'est une voix normale, presque. Bien travaillé. Alors, on va redonner la parole à Monsieur Clever. Donc, vous voulez intervenir sur le sujet? Le sujet de... Absolument, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est un sujet très, très intéressant. On parle de Morocco Gays, bien sûr. On parle de Morocco Gays, on parle de ce qui se passe, on parle de
du Maroc. Le Maroc qu'on a vu quand on était petit, ce n'est pas le Maroc qu'on voit aujourd'hui. Quand on était petit dans les années 2000 et 2020, 2005, 2006, on croyait que le Maroc allait être vraiment, allait bouleverser tous les l'Arabie Saoudite et tout. On croyait que le Maroc allait faire une. Je peux parler en arabe parfois? Oui, allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. ما كنا نتمنى كنا كنتخيلوا بان المغرب غادي يكون واحد اشعاع قوي. كنا كنتخيلوا بان المغرب دوله قويه بزاف. كنا كنعرفوا بان المغرب ملي كبرنا كنعرفوا المغرب دوله قويه، دوله عندها قوه، وعندها يعني كاع وليدات المغرب، الوليدات كاملين غادي يعيشوا مزيان، ولي بارون ديالهم غادي يعيشوا مزيان، وعندهم اون بون سيكوريتي سوسيال. كنا كنعرفوا بلي المغرب هادشي اللي ربونا الوالدين ديالنا، لي بارون ديالنا ils nous ont instruit que le Maroc allait être vraiment vraiment très 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 يعني Puissant. C'est les puissant promesses وعنده du واحد الإشعاع. gouvernement, voilà, comme On a d'habitude grandi dans avec 10 ça. ans, 20 ans. On a grandi avec ça. On a grandi avec ça يا خويا عدنان. كبرنا على هادشي، الوالدين ديالنا mes parents ils auraient Vous pu êtes aller du Maroc, en monsieur Norvège. Steven? Mon père, Vous c'est un appelez prof juste. de physique chimie. Ma Vous appelez mère, du Maroc? il travaille. Monsieur Ma Clever? mère. Monsieur Clever, vous appelez du Maroc? Vous vivez au Moi, Maroc? j'appelle d'un autre pays. J'appelle d'un autre pays. Un D'accord, pays vous ne très, vivez très pas au loin. Maroc. Mais D'accord, très très, très loin, mon frère. Pardon, même, ils ne peuvent pas m'intéresser. Ils ne peuvent pas ils peuvent pas me. bien. Ok, là, ça. C'était un petit peu vulgaire. Il y a des mots qui ne sont pas permis chez moi, en tout cas. Monsieur Aziane, à vous la parole. Allez, un petit peu de sérieux quand même. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Ouais, non, mais il y a des trucs qui passent pas. Voilà. Ça s'est passé dans un discours fortement intéressant, j'aurais laissé passer, mais là, bon. Comprends. Bon, Je comprends. Aziane, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez On peut se de bah, du tutoyer sujet aussi du... 30 minutes. Oui, qu'est-ce que On tu peut se penses du tutoyer sujet aussi. de... Ben c'est la voix, c'est la nouvelle voix. J'ai l'impression qu'il nouvelle personne, donc c'est pour ça que À chaque fois, voilà. D'accord, Alors, il y a Aziane, une phase d'adaptation. D'accord. peut-être plus aigu, ça Oui. serait mieux, si c'est possible, pour tout le monde. Moi, j'arrive à peu près entendre, mais je sais que plus aigu, c'est Alors, parfait. ça, là, c'est bien. C'est bien. Bon. Mais ça va. Si tu ne peux pas changer pour plus aigu, il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas Ça changer pour marche. plus aigu. Voilà. Mais juste une Alors. parenthèse par rapport à l'intervenant de tout à l'heure. Quand il y a Oui. des insultes ou des choses un petit peu bizarres, on n'est pas là pour entendre des vulgarités. Donc, ce n'est pas la peine de monter. Voilà quoi. D'accord? Voilà. Donc, Claire West, Monsieur. il s'est remonté. On le verra peut-être tout à l'heure. Asiane, donc. Ton avis sur le sujet du jour, donc le régime marocain vs l'Europe et surtout la Russie. J'ai mis un petit plan tout à l'heure des pays qui ont envoyé des chars à l'Ukraine. Bon, ce n'est pas le sujet, mais que fait le Maroc dans cette liste? Je voudrais avoir ta réaction avant que tu nous parles du sujet. Alors, moi, je ne suis pas du tout étonné par la réaction marocaine parce que, de toutes les façons, nous savons tous que c'est un régime vassal. Alors, un vassal, c'est un terme qui vient du Moyen Âge, qui veut dire que quand on avait un propriétaire terrien, un lord un lord ADN, hein, c'est-à-dire qu'il possédait un terrain, par exemple, ou autre, il pouvait, par exemple, recruter une personne qui s'occupait du terrain, produisait des choses, etc., en contrepartie d'un paiement annuel d'une partie de la récolte. C'est ce qu'on appelle au Maroc Fmnessa. Okay? Le Maroc, le régime marocain, Fmness, il est Fmness chez l'Occident, il est Fmness chez le bloc actuel qui est en confrontation malheureusement directe avec la Russie. Et tu as très bien parlé tout à l'heure, c'est des gens qui nous mènent vers l'apocalypse. Voilà, donc les Marocains pensent que ça ne va pas se produire. On est peut-être en train de revivre un scénario aux années 60, aux années 70, donc le scénario de la guerre froide. Mais ce qu'on est en train de vivre est vraiment un scénario de terreur nucléaire mondiale. Parce que, il y a une crise économique mondiale. L'Amérique est un colosse qui est en train de s'écrouler.
31 trilliards de dollars de dettes, c'est colossal, abyssal. Chaque Américain est endetté à hauteur de 250 000 dollars par Américain. Donc, c'est une dette qui ne sera jamais remboursée. Vous avez d'ici l'été des attaques frontales sur le système économique américain, notamment le dollar, à travers l'alliance de ce qu'on appelle les BRICS. Donc, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui vont lancer une nouvelle monnaie digitale à partir du mois d'août, ils viennent de l'annoncer, et qui va être garantie par de l'or. Ce qui veut dire concrètement la fin du privilège impérial américain qui était le dollar. Amérique imprimait des dollars, donc tu es très bien placé, je pense, pour savoir ce détail du système monétaire mondial. Et donc, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens à partir de 1973, très exactement, où l'Amérique avait fait faillite. Et donc, elle n'avait plus les moyens parce qu'il y avait eu des accords après la Deuxième Guerre mondiale où les pays s'étaient mis d'accord pour que la monnaie de réserve mondiale à laquelle seraient adossées toutes les autres monnaies mondiales serait le dollar. Et donc, à partir de là, et que l'Amérique garantissait ses dollars avec de l'or. Donc demain, si vous ramenez des dollars aux Américains, ils vont vous donner la contrepartie en or. Donc c'est ce qui a été convenu après la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique a bien naturellement abusé de sa planche à imprimer des billets, notamment dans la guerre du Vietnam, où elle a imprimé beaucoup d'argent. Donc elle s'est retrouvée, les pays ont commencé à se douter que les Américains abusaient un peu trop de l'imprimante. Hein, et ils imprimaient beaucoup plus de dollars par rapport à ce qu'ils déclaraient comme réserve d'or qu'ils avaient. Et donc, des pays, notamment la France, avec le général de Gaulle, ont commencé à prendre des dollars américains, les envoyer aux USA et leur demander de leur donner l'équivalent en or. Ceci, donc, a amené les Américains, ils étaient à poil, ils étaient nus. Et en 1973, Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or. Depuis ce moment-là, les Américains ont carte blanche, donc je ne vais pas entrer dans le dollar pour expliquer comment ils ont remplacé l'or avec le pétrole à travers un accord avec les pays arabes, ce qu'on appelle le pétrodollar. Donc tout le monde a besoin de pétrole aujourd'hui, tout le monde a besoin de dollars aujourd'hui pour acheter du pétrole, et c'est ce qui fait que le dollar est toujours demandé. Allô? Oui, on t'écoute, écoute. Tout à fait. Donc, tout le monde a besoin justement de dollars parce que l'énergie mondiale, tout le monde a besoin d'énergie dans le monde. Et donc, les Américains avaient conclu un accord donc, avec Henry Kissinger, qui allait en Arabie Saoudite. Ils ont dit aux monarchies pétrolières, écoutez, il faut demander exclusivement des dollars pour vendre votre pétrole, même si les gens vous ramènent de l'or ou des diamants, ou ils vous ramènent n'importe quoi, vous refusez. Donc, seuls les dollars passent. Et donc, cet accord-là, en contrepartie, l'Amérique vous garantit la protection et vous avez l'impunité. Jamais personne ne vous déstabilisera. Et c'était l'accord du pétrodollar. Et donc, le dollar, le pétrole a commencé à jouer un rôle de l'or dans le système monétaire mondial. Aujourd'hui, ici, tous les pays, les banques centrales, doivent avoir 30-40% de leurs réserves en dollars parce qu'elles ont besoin d'énergie. Elles ne peuvent pas échapper à ça. Elles ont besoin de dollars pour acheter de l'énergie. Même si vous ramenez de l'or aux Saoudiens, ils ne vous donneront pas leur pétrole, sauf si vous amenez ces dollars. Et donc, c'est ce qui a créé une demande artificielle pour la monnaie américaine. Bon. Maintenant, nous sommes dans une configuration complètement différente. Donc, les BRICS, les pays de l'Est, donc, comme on a dit, la Russie, la Chine, etc., vont lancer leur première monnaie. Ils ont lancé un système alternatif au SWIFT, ils ont deux systèmes d'échanges financiers mondiaux. Ça, c'est une attaque directe sur la force réelle des États-Unis, qui est la force financière. Donc, c'est un système monétaire frauduleux. L'Amérique est basée sur un système monétaire frauduleux. C'est ce que les gens doivent très bien se rappeler toute leur vie. Et donc, ce système-là, il est en train d'être attaqué directement en face. Est-ce que les Américains vont patienter jusqu'à l'effondrement et l'écroulement? Je ne le pense pas. Il faut dire aussi que la Chine impose les échanges commerciaux en yens actuellement. Absolument. Exactement, parfaitement. Le yuan et les Chinois sont en train d'augmenter la cadence d'achat de l'or depuis les dernières années. Les Chinois, ils ont augmenté leurs achats de l'or à la Suisse, par exemple, l'année dernière, de plus de 150%. La Chine, les gens disent qu'elle sous-déclare les réserves d'or dont elle dispose
Parce que ce traitant déjà, effectivement, est un système de main. Parce que vous voyez comment ils ont fait à l'Iran, en leur bloquant les transactions de dollars, ils ont compris que demain, ça peut être leur tour. Là, c'est peut-être une introduction pour revenir au sujet. C'était très intéressant pour éclairer les personnes qui ne seraient pas au courant un petit peu de la situation géopolitique, économique, mondiale par rapport aux deux blocs qui s'affrontent actuellement. On a quoi ? On a la Chine et les États-Unis. Revenir justement à la bêtise encore, enfin à la catastrophe qu'a fait le Maroc, ils se rendent peut-être pas compte. Tout à fait. Catastrophe diplomatique. Déclarer la guerre à la Russie actuellement. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet ? Parfaitement. C'est intéressant. Donc, c'était bien d'introduire sur le sujet pour montrer la catastrophe, l'apocalypse à venir du Maroc. Absolument. Peut-être la fin du pays. Hein. On n'en sait rien. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour expliquer que le Maroc est un Vassal, un Hamas, chez le bloc, ce qu'on appelle le bloc atlanto-sioniste. Donc l'Europe, l'Amérique et bien sûr l'OTAN qui est le bras armé du sionisme. Donc ça, pour être très simple dans l'analyse, donc c'est un conflit en cours. Donc je commence par cette longue introduction parce qu'il faut le comprendre. Alors le Maroc, il a dit non, nous on n'a pas donné. Bon, il n'a pas les moyens de donner. Le pays, il est endetté, il est noyé jusqu'au cou. Donc le Maroc, ce qu'il a fait, il a reçu une instruction des États-Unis. Lui demandant de donner les chars marocains à une société tchèque qui va remodifier les chars, qui va les préparer, qui va les préparer parce que les Ukrainiens ne savent se battre que avec des armes soviétiques. Donc les Américains ont fait un peu le tour des pays qui ont acheté donc ce genre d'armes. Et donc le Maroc a consenti à donner ses chars, 37 chars, je pense, à peu près, donc qui ont été donnés par le Maroc, pour être rechappés par une société tchèque. Et après, donc, les États-Unis se sont engagés à donner au Maroc d'autres chars. Donc, ils vont être les Abrams ou autre chose. Bon, en même temps, le Maroc, d'abord, il est soumis à son maître. Et donc, il l'écoute comme un petit toutou. Donc, bien sûr, là, il ne doit pas lever la main. D'ailleurs, ils sont fiers de jouer la serpillière. Donc, ils disent, l'Amérique est fière de nous parce qu'on fiche des gens, on balance des noms. L'Amérique est fière de nous parce que donc, ils savent très bien qu'il est normal, mais ils savent très bien comment ils sont perçus. Mais moi, je leur dis, si je vous félicite et je vous demande de continuer de vous prendre la Russie sur le dos, ça fait vraiment plaisir parce que je pense que de toutes les façons, ils n'ont pas le choix. Ils ont tellement pris un virage où ils se sont complètement liés, main et clé, à l'axe, à ce bloc qu'on appelle le bloc atlanto-sioniste, ou le bloc atlantiste, donc le bloc de l'OTAN qui a son bras armé qui est l'OTAN. Et donc, ils ne peuvent plus, même si aujourd'hui, ils voient géopolitiquement que ce n'est pas dans leur intérêt ou que les peuples ne veulent pas de ça ou toutes ces considérations, ils n'ont pas le choix. Les autres, ils ont surtout des dossiers qui sont dangereux parce qu'ils ont passé des années à les observer. Ils connaissent toutes les failles du système. Ils connaissent tous les gros scandales qui est donc très grave de ce régime. C'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, le grand risque que nous avons, c'est que justement, il va y avoir ils vont utiliser. On a aussi les Algériens qui sont dans l'axe russe. Et donc, ce sera, voilà, donc le nouveau conflit de probablement du Maroc-Algérie. Dans le cadre d'un conflit plus global qui les dépasse et dans lequel eux, ils sont simplement les pions de cette guerre. Donc moi, c'est ça ma. Là, personnellement, je suis pro-russe, je le dis très clairement. J'ai vécu en Occident, j'ai vécu un certain nombre d'années dans plusieurs pays, je connais bien l'Occident. Je connais bien comment il résonne, je connais bien le système, les structures. Je ne suis pas séduit ou ébloui par ce modèle parce que je connais très bien c'est un système qui brille de dehors, mais qui pourrit de l'interne. Donc, je ne suis pas du tout, ça ne me choque pas du tout. Mais je suis pro-Russie parce que c'est un pays quand même... Ce que la Russie leur a demandé était raisonnable. Elle leur a dit, laissez une zone tampon entre l'OTAN et entre la Russie. Ne venez pas me mettre des missiles sous le nez à 4 minutes de Moscou où des missiles peuvent venir... C'est un autre sujet, on fera peut-être un débat. Parce que c'est un sujet quand même qui est très censuré sur YouTube et en Europe.
Donc, déjà qu'on a le Mossad, le service marocain, je vais pas t'en dire, on va s'attirer. Bon, nous saluons en auto, les pauvres, bien les autres. On n'est pas en Chine ici, on n'a pas la liberté totale d'expression comme on avait à l'époque. Donc, oui, je comprends. Bon, ça c'est pas vous qui le dites, c'est un intervenant qui le dit. Bon, c'est pas sûr, vous, non, c'est, je vous dédouane. Je vous dédouane. Non, mais c'est vrai que. La liberté d'expression est totale chez moi, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous ces embêtements. Et quel que soit le sujet, et c'est un sujet que je voudrais bien discuter. En fait, le problème que j'ai, moi, avec les sujets hors que le Maroc, à chaque fois que je travaille sur quelque chose de géopolitique ou un sujet autre que le Maroc, il se passe une catastrophe dont je dois parler absolument. Alors, si ce n'est pas Morocco Gate, c'est les chars qui sont livrés à la Russie. Voilà, donc on va essayer de trouver le temps. Et je travaille sur une grande vidéo sur les deux blocs actuellement qui dominent le monde, le bloc chinois et américain, le rêve américain vs le Chinese Dream. Donc, c'est une très grande vidéo qui sortira dans quelques mois et on fera quelques débats bien évidemment après. Et concernant l'attitude de l'Europe dernièrement, on en a discuté dans les lives précédents, mais qu'est-ce que tu penses de l'attitude du régime face à la réaction européenne, à la bonne réaction pour une fois? Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Oui. C'est assez consternant quand même. C'est des menaces pour arrêter des traités. Enfin bon, j'ai passé un petit... On peut toujours faire du bruit, mais tant que ce n'est pas suivi des faits, ça reste du bruit, ça reste des déclarations verbales. Donc ce scandale du Parlement européen, bon, ils ont mis du temps pour s'ennuyer, 25 ans, donc quand même, c'est qu'ils ont compris que c'est une situation devenue intenable. Ils ont peur, même pour eux aussi, que les choses échappent au régime, c'est-à-dire la pression sécuritaire, à un moment donné, elle peut avoir des conséquences. Donc, quand elle dépasse les bornes, même les Européens, si ça pète, ils ne peuvent plus rien bloquer. Quand ça a explosé en Tunisie, on se rappelle tous quand Michel Agnew-Marie, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères en France, est sorti, elle a dit « Oui, les forces de sécurité françaises peuvent donner un coup de main à Ben Ali pour l'aider ». Eh ben, elle a dû démissionner parce qu'ils ont vu que ça a dérapé, ce n'était plus contrôlable. Donc, le peuple n'en jouait plus. Le Maroc, c'est pareil. Donc, là, les Européens font un peu de bruit, tapent de la main sur la table. En réalité, est-ce que c'est suivi des faits? Donc, est-ce qu'il y a des sanctions, par exemple, concrètement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Bon, le Maroc, il a une réaction un peu toujours dans la gesticulation de la communication. Il commence à. C'est un peu infantile, hein, c'est un peu gamin. Il dit, soit il est dans le déni, ah non, nous on n'a pas ça, alors que les choses, vraiment, c'est prendre les Européens pour des abrutis, et même le peuple marocain, il n'a aucun respect ni pour lui-même, ni pour les Européens, ni pour le peuple. Donc, vraiment, c'est des gens qui ne se respectent pas, qui sont, eux, ils sont stupides, et ils pensent que les gens sont aussi stupides que, comme on a dit, des dossiers, malheureusement, ils sont nés. Moi, je vous dis, j'ai vu de mes propres yeux une vidéo avec nos procès judiciaires, sur une falsification sur le procès judiciaire de Rissouni sur Bofinti Doudou et Bakan Chiche. Ils disent on a convoqué le monsieur alors qu'il a arrêté dans la rue avec des caméras de Choufretri et Choufretri qui le filment. Donc, ça, rien que ça, c'est une écriture en faux. Rien que ça, les Européens peuvent lui dire rien que ça, ça, c'est ce qu'on appelle en droit, ça s'appelle un vice de forme. Donc, la procédure est nulle. Donc, vous ne pouvez pas arrêter ce monsieur, vous avez falsifié le procès judiciaire. Et ils osent sortir et dire le Maroc va réviser. Et d'ailleurs, le Maroc a gesticulé pendant une semaine. Il a dit on va réviser, on va mettre tout à plat. Ça, c'est contre une dictature. C'est malheureusement. Ils ont des comportements immatures, gamins. C'est-à-dire, on a honte de voir des gens comme ça et prétendre que ça représente les Marocains. 40 millions de personnes, ils n'ont pas été fichus d'avoir des gens à la hauteur au niveau de ce pays. Donc, ils sont respectables, ils sont présentables devant d'autres peuples. On pourrait être fier de dire, franchement, il me représente bien, ça fait plaisir de voir des Marocains comme ça, avec ce niveau. Donc, on est en train de voir des niveaux, mais complètement dramatiques, et ils sont dans des gesticulations de gaminerie. Donc, nous, on n'est pas d'accord, non, c'est pas vrai, des choses de cette nature. Au final, le Maroc, il a dit, on va remettre à plat les négociations, les accords, et bien, c'est caduque, il y a deux jours,
le Maroc vient d'annoncer qu'il va envoyer une invitation au parlementaire européen pour venir chez lui pour étudier ensemble les valeurs communes. Et moi, j'appelle ça se dégonfler. D'accord? Donc, au final, nous avons stipulé, ils ont sauté au plafond et ils ont voulu jouer les rebelles. Ils se sont rendus compte que les autres, bon, ils construisent des décisions politiques sur des faits, sur des documents, sur des choses de manière posée, parce qu'ils savent qu'il y a des peuples qui les regardent, ils savent qu'il y a et les gens vont leur demander des comptes. Et les gamins qui, malheureusement, et les incapables, et la bande de rente, c'est que le pouvoir, parce que son pouvoir, il y a un proverbe français que j'adore qui dit « Ce qui se ressemble, s'assemble ». D'accord? Quand tu en as un régime pourri, crapuleux, il n'attire vers lui que ce genre de profil. Parce que pour ce genre de profil, ce qui intéresse le régime, c'est uniquement des gens qui montrent dans la façade, qui sont servile, qui se prospèrent devant le régime et qui ne seront jamais une menace ni intellectuellement, ni en termes de loyauté. Et donc, c'est ce que le régime cherche. Et bien, ça donne un pays de rente. Ça donne un pays géré de façon moyenâgeuse. Et donc, c'est ce qu'on observe. Voilà. Donc, finalement, il s'est dégonflé. Il va inviter les députés européens dans le documentaire que vous avez projeté au début sur Arte. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. D'abord, la députée qui disait, oui, le Maroc nous mettait la pression pour l'accord de pêche. Pour par exemple ça, rien que pour vous montrer un exemple. À un moment donné, elle n'a pas expliqué si l'accord de pêche a été signé ou pas en incluant le Sahara. Elle s'est bien tue sur ça. D'accord? Donc, ils ont condamné le Maroc. Mais malgré ça, ils profitent. Donc, ils ont signé un accord sur le Sahara, alors que c'est une zone contestée, selon l'ONU. D'accord? Donc, si les Européens parlent de valeurs, etc., ça encore, c'est un discours. Non, c'est pour ça que je dis, si ce n'est pas suivi des faits, des sanctions, des choses concrètes, ça reste du lourd. Voilà, pour être très clair, il n'y a rien à attendre de ça. Bon, pour les faits, c'est vrai, ça fait scandale, ça fait etc. Mais dans les faits, rien ne change concrètement. Et d'ailleurs, elle s'est bien abstenue de nous dire si le contrat a été signé. Il a été signé. Donc, les bateaux, les chalutiers européens pêchent dans les eaux territoriales du Sahara, qui est un territoire disputé selon l'ONU. Voilà, donc ça reste du bruit. Voilà. Comme d'habitude. Voilà. Dounia, j'applaudis encore l'intelligence de ton intervention, Asiane. Asiane, est-ce que par rapport à ton nom, est-ce que tu as déjà été dans cette belle nation chinoise que j'aime tant? Je connais l'Asie. C'est ce que je peux te dire. Je connais l'Asie et j'aime beaucoup l'Asie. Et c'est pour ça que moi, je crois à la civilisation de l'Est. Je crois au Sud-Est. Je crois que ce sont les nouvelles puissances qui sont en train de monter. Oui. Je crois que l'Occident a vécu trois siècles. Voilà. Ils ont aimé les valeurs, même beaucoup de choses, la gentillesse humaine. Je crois que nous avons vécu une parenthèse de 3 à 4 siècles de domination occidentale. Nous avons vécu la colonisation, nous avons vécu 2 guerres mondiales, la 3-0 route. Nous sommes en train de sortir de ce modèle. Donc, moi, je mise sur la bourre. On fera une émission spéciale Asie, si tu es intéressé. On en a fait durant la saison 1 et 2. Et si tu es intéressé, si tu as vécu quelques temps en Asie, je ferai intervenir certaines personnes pour échanger un peu nos expériences. Bon, ça ne sera pas forcément très politique, mais c'est, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, si tu es intéressé, je te ferai signe. Enfin, tu verras une affiche. Oui. Et juste un petit détail sur Finale en parlant de ça, oui. Parce que pour rebondir sur le documentaire d'Arte, ils ont dit une chose qu'il faut bien écouter avec attention. Ils ont dit que les Marocains sont très actifs quand il s'agit de mettre une lobbying et la pression sur les députés européens. Et moi, j'appelle depuis votre chaîne donc les gens marocains qui s'expriment en d'autres langues. À contacter aussi ces députés, même de façon anonyme, d'accord? Vous pouvez créer des boîtes mail anonymes, il y a des boîtes mail intraçables, ça existe, que vous pouvez trouver. Et vous pouvez, les adresses de ces députés européens sont sur le site de l'Union européenne, donc du Parlement européen, vous avez la liste, vous pouvez tous les trouver. Et au peuple aussi de jouer son tour en termes de lobbying. Donc il faut leur écrire. Leur dire, je suis par exemple, voilà, quand il y a des fois un petit dossier à droite ou à gauche que vous voyez passer, pour leur dire, je vous rappelle que nous vous observons, je vous rappelle que le peuple marocain n'a pas le droit de citer ou n'a pas le droit de s'exprimer sous peine de subir la répression de ce régime. Nous vous rappelons tout ça quand vous êtes en train de signer ces accords.
Nous vous rappelons que les gens qui se présentent chez vous pour vous présenter, jouer et de lobbying, etc. Il faut s'assurer, est-ce qu'ils permettent aux gens de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas. Voilà, vous êtes quelque part, c'est comme si quelqu'un kidnappe une victime et vous êtes en train de négocier avec un kidnappeur. Voilà, c'est exactement la même chose. À la fin du crime, ça s'appelle une complicité dans le crime. Voilà, ça s'appelle une complicité. Donc, il faut bien rappeler ça aux députés européens parce que quand même, ils restent sensibles à ces arguments. Et ces gens, malgré ça, ils ont une réputation à défendre. C'est-à-dire, quand quelqu'un leur envoie ce genre d'informations ou leur envoie ce genre de choses, ça leur met la pression. C'est-à-dire, ils sentent que ce n'est pas qu'ils vont croire que tout le peuple est bête ou analphabète. Il faudrait aussi que les journalistes fassent leur travail. Absolument. Oui. Les réseaux ou les journalistes de terrain, pas que marocains. C'est que les journalistes européens s'intéressent, et surtout français, parce que ici la corruption, elle est industrielle. Le Maroc est partout. Là, c'est même effrayant en France. Qui n'est pas corrompu ? C'est pas qui est corrompu. Alors, on a une question de Denia. C'est Adil Moussaoui. Merci pour vos efforts. Un policier du Maroc. Ok, ben on a un big up d'un policier du Maroc qui nous salue. Ah ben bravo. Hein. Merci. Non mais il faut le dire, il y a des dissidents. Ils sont en train d'écouter. De la police, même du, je peux vous dire que même au sein du palais, les gens ne sont pas fiers de ce qui se passe actuellement parce que partout où qu'ils soient, les Marocains sur terre sont mécontents de ce régime. Oui, à l'intérieur du pays, à l'intérieur des institutions, l'armée, la police, là, l'exemple est vivant, est réel, est spontané. Un policier qui nous salue. Mais moi, je sais, j'imagine que toi aussi, Aziane, et les personnes qui sont avec nous ce soir connaissent des Marocains dans le système, qui font partie du système, mais qui souhaitent la fin de ce régime mafieux et débile. Je ne peux pas trouver d'autres noms. Parce que c'est un régime profondément stupide. Il y a des gens honnêtes. Hein, partout, la dernière fois, on l'avait dit dans l'appareil sécuritaire, on avait parlé de la purge de plusieurs colonels donc, et plusieurs gens dont la fonction était des militaires au Maroc. Cette purge, moi, je te garantis que c'est une purge qui est basée sur probablement des signalements du FBI ou bien du Mossad pour leur dire à ces Aziane, gens. Aziane, est-ce que je peux t'interrompre ? Excuse-moi, je t'interromps. Ouais. C'est le live, hein, on peut se permettre. C'est ce qui nous fait plaisir aussi, de temps en temps, un peu de spontanéité. Moi, j'aimerais bien que M. Ibrahim Oumed nous rejoigne sur le vocal. Là, il dit « Le Maroc restera une épine pour les ennemis, quel que soit leur statut. » Allah al-Watan al-Malik. Bon, ça serait intéressant d'avoir un monarchiste avec nous ce soir pour discuter de la thématique d'aujourd'hui, le régime marocain qui s'en prend à l'Europe et la Russie par rapport aux remontrances qu'il y a eu dernièrement, par rapport à l'affaire Morocco-Gate. Mais bizarrement, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis qu'on a repris les lives, on n'a jamais reçu un Marzani avec nous ou un pro-monarchiste. Ils ont le droit de défendre leur roi, mais qu'ils viennent le défendre sur le vocal. Là, on se retrouve avec des doubables. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ici? Par exemple, si tu prends ce bonhomme, il dit Allah, Al-Watan, Al-Malik. D'abord, sa devise ressemble un peu à la trinité de la chrétienté. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, déjà, c'est une forme de, si tu veux, pour les gens croyants et qui est la majorité des Marocains, c'est une forme de shirk. C'est une forme d'association à Dieu. Quand tu associes donc trois entités, ça ressemble un peu à la Sainte Trinité de la chrétienté. Ça, c'est une première chose. La deuxième, s'il ne présente comme ça qu'il est sa devise et il la répète avec fierté, il dit Allah, puis Al-Watan, puis Al-Malik. Mais nous, on est d'accord sur les deux premiers points, parce que le troisième est en contradiction avec les deux premières. Justement, moi, si je crois à Dieu et je défends, Dieu appelle à la justice, Dieu appelle à l'équité, Dieu laisse le choix à l'humanité. Dieu ne te demande pas d'oppresser les gens et de leur prendre leurs biens et de leur faire fermer la bouche. C'est pas ça ce qu'on a eu comme message, en tout cas ce qu'on a comme message de la religion. Al-Watan, oui, la patrie. Alors, la patrie, bien sûr. Est-ce que les intérêts de la patrie maintenant, c'est d'être dans le sunnisme, nous connaissons le dollar ici,
Ça, c'est fort, la Russie. Ça, c'est très fort. On ne s'y attendait pas, hein, les chars russes. Non, moi, je veux dire, n'écoutez que ça, ce qu'ils font. Ils sont déjà allés dans une réunion avant ça. Il était une réunion à la demande des États-Unis, des pays qui vont essayer de soutenir diplomatiquement et économiquement l'Ukraine. Et là, on était 13 ans. C'est arrivé il y a 3 ou 4 mois déjà. Quand c'est les chars, ce n'est que le dernier acte d'une longue série. Et ils croient que les Russes ne sont pas en train de noter ça, les Russes sont bêtes. Ils sont en train d'observer et les Russes vont se passer. Donc, c'est une longue série de bêtises. Et l'Amérique elle cherche bien sûr à les inclure de plus en plus dans ce conflit pour qu'il n'ait plus le choix. Et bien sûr, on doit tous se taire. Donc, lui, quand il met le snowboard, Allah Allah Wapan détruit, il ajoute le Malik. Alors, Allah Allah Wapan, le Malik en troisième, le Malik, il est en contradiction avec les deux premiers snowboards. En plus de ça, si tu dis Allah en premier, et si la majorité est musulmane, est-ce que tu vas t'allier avec Israël? C'est ça, par exemple, Allah. Donc, par exemple, des 10 ans dans les combats qui se préparent, on sait tous que dans c'est une situation quasi des guerres quasi messianiques ou des guerres eschatologiques, des guerres de la fin des temps, ce qui est en train de se préparer peut-être avec un armageddon à la clé. Eh bien, si tu dis Allah, ce que tu es en train de commettre est une pure trahison. Parce qu'il est en association avec l'axe dans lequel on ne doit pas être en tant que normalement société musulmane. Eh bien, voilà. Donc, lui, quand il écrit ce slogan, est-ce qu'il comprend ce que ce slogan incarne ou il ne le comprend pas? Je pense que c'est une. C'est un doubab, une mouche électronique. C'est, voilà, c'est ça. Les agents du régime marocain qui travaillent sur les réseaux, parce que sinon, ils seraient avec nous. Il y en a quand même qui sont plutôt bien instruits. Mais, moi, je pense par exemple à des auteurs comme Tahar Ben Jelloun, par exemple. Pour moi, c'est un doubab écrivain. C'est pas plus que ça. On voudrait bien avoir un Tahar Ben Jelloun qui nous donne un peu ses arguments parce qu'il parle plutôt bien français, il a un certain intellect, une certaine culture. Je serais ravi d'avoir ses arguments. Mais c'est des personnes qui, je pense, ne pourront jamais débattre. Je vais te dire un indicateur. Quand tu vois quelqu'un propulsé par les régimes, par les sphères culturelles parisiennes ou occidentaux, par exemple, un Tahar Ben Jelloun, Ilyas Slimani, un Salman Rushdie, Francis Fukuyama, qui a écrit un livre qui s'appelle La fin de l'histoire et qui rappelle que voilà, l'Occident est la civilisation terminale, il n'y a pas mieux que l'Occident. À chaque fois que tu vois des gens de cette nature propulsés dans les sphères, dans les médias, il faut comprendre que c'est des gens qui tiennent un discours obéissant, voilà, au système. Et le système dominant, un peu mondialement, et qui est en train de s'écrouler aujourd'hui. Donc, ces gens ont déjà choisi un camp. C'est pas que ce sont des gens bêtes, mais c'est des gens qui ont choisi la facilité. Donc, pour eux, ils sont allés avec le courant. C'est difficile de nager contre le courant. C'est difficile, parce qu'on paye un prix pour ça. On paye un prix politique, on paye un prix social, on paye un prix économique. On paye un prix de vivre dans la peur, vivre un peu dans la paranoïa tout le temps, même des simples choses. On devient suspect, mais se méfiant de tout. C'est pas facile de vivre de ça. C'est le prix de la liberté, ça, c'est merveilleux. Imagine un instant ces gens, quelques minutes avant leur mort, dans l'indignité. Ils ont vécu toute leur vie dans l'indignité, alors que des personnes qui se battent pour leur liberté ou pour la liberté de tout un peuple, il est certain qu'ils vont mourir fiers et heureux. Donc, c'est le plus que réussir sa vie, c'est réussir sa mort quelque part. Enfin bon. Parfaitement. C'est la dignité et comme je disais pour continuer sur cette lancée-là, c'est des gens qui choisissent la prospérité dans le sens de l'honneur. Donc tôt ou tard, la vérité gagne. C'est juste une question de temps. C'est un effort, quand les gens sont convaincus en toute leur âme et conscience qu'ils défendent ce qui est juste, ils comprennent ce que ça signifie. En citant des auteurs, par exemple, en parlant de Tahar Ben Jelloun, la France, la soi-disant protectrice des libertés intellectuelles, un auteur comme Frantz Fanon, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, qui a écrit le book Masque noir, masque blanc, il a écrit plusieurs livres sur The Wretched of Earth, les damnés de la Terre.
Il a écrit pas mal de romans où il essayait d'analyser les conditions des colonisés. Les colonisés cherchent toujours à ressembler à leurs colonisateurs, dans le comportement, dans les opinions, pour croire qu'ils ont évolué socialement. Voilà. Donc, par exemple, on peut avoir des Marocains ou bien d'autres personnes qui vont imiter un certain style de vie au monde parce qu'ils sont impressionnés par leur ex-colonisateur ou celui qu'ils perçoivent comme le faux. Donc, France Panon, il était interdit, ses bouquins, ses livres étaient interdits en France à l'époque de l'apogée intellectuelle de la France, qui était les années 60-70. Ses livres étaient interdits pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Donc, quand tu as des gens qui sont des gens subversifs, c'est-à-dire ils écrivent les vérités sans mâcher les mots, ils écrivent et décortiquent ce que c'est que la colonisation intellectuelle, donc ces gens sont combattus de façon directe. Ils vont être, par exemple, censurés et leurs livres vont être interdits, ou de façon indirecte, où on va essayer de les marginaliser et rendre leur opinion inaudible. Vous avez des gens comme Nadir Mansour, il a très bien compris ça, et qui a parlé de Tahrir Thaqafi, la libéralisation intellectuelle. Parce que c'est ça les vrais sujets. Et ces gens-là, c'est les gens qui sont interdits de parler au Maroc. Aujourd'hui, quand tu prends la presse, par exemple, pour revenir au dossier du Maroc au Blitz, ils craignent les mêmes sources, c'est-à-dire les sources de l'AFP, les sources occidentales, ou bien la source de l'agence de presse allemande, ou bien la source Reuters. Donc, ils craignent purement des agences de presse européennes. Il ne faut que les traduire et les poser telles quelles sur les sites marocains. C'est-à-dire qu'en tant que Marocain, tu as une apparence marocaine, tu as une peau brune, mais tu dois penser avec le même logiciel mental qu'un occidental. Alors, Israël, c'est bien, l'Iran, c'est le mal, la Russie, c'est méchant, l'Occident, c'est très bien, c'est la civilisation, la Chine, c'est le Covid, c'est un système répressif. Donc, on installe exactement les mêmes logiciels. Et vous pouvez aller dans un site comme Express et vous verrez, il ne faut que calquer les mêmes articles. Il n'y a aucune liberté intellectuelle. Et si tu oses, en tant que Marocain, sortir, écrire quelque chose, ou écrire un papier quelque part, ou écrire une contre-opinion en arabe, anglais ou français, eh ben, tu peux être certain qu'ils vont venir te voir, et ils vont venir te visiter. Voilà. Donc, ça, c'est des choses auxquelles, bien sûr, les gens doivent faire attention en général. Et voilà. Donc, oui. Bonsoir, oui. Bonsoir, monsieur Alcien. Je vais gérer le live en attendant que Adnan revient. Très bien. J'ai une question pour vous, monsieur Alcien. Il y a des noms qui vont bientôt tomber avec l'affaire Morocco Gate. Comment le Maroc va réagir à ça, à votre avis? Parce que jusqu'à maintenant, c'est l'ONCE Radio. Ils n'ont même pas commenté, ils n'ont même pas réagi, ils n'ont rien dit par rapport au Morocco Gate. En fait, ils ont... Alors, il y a l'affaire du Parlement et il y a l'affaire du Morocco Gate, effectivement. Donc, l'affaire du Parlement, ils ont essayé de gesticuler un peu, de crier à droite et à gauche. Bon, ça reste des réponses non crédibles, bien sûr. Tout le monde a compris que c'est clair et net que ce n'était pas crédible et que ce n'était même pas argumenté. C'est honteux qu'un État réponde de cette façon. Après, pour l'affaire Morocco Gate, effectivement, je pense qu'ils sont... Parce qu'en fait, l'affaire est plus grave parce qu'il y a la justice derrière. Donc, de toutes les façons, quand la justice belge commencera à bouger, c'est-à-dire, donc, elle demandera des noms, elle demandera des auditions, des choses comme ça, donc ce n'est pas comme le Parlement, ce n'est pas qu'un effet d'avance, il y a des règles juridiques à suivre, et donc, tôt ou tard, bien sûr, ça va se payer naturellement. Voilà ce que je pense. Donc les Marocains, ils sont en position d'attente, ils font le mort. Voilà, pour quelqu'un voit un ours s'approcher dans la forêt. Comme d'habitude. Il n'a pas le choix. Le conseil qu'on lui donne, c'est de faire le mort et de ne pas respirer. Donc sur cette affaire, ils ont crié pour le Parlement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de sanction. Mais pour la justice belge, ils savent que la justice va passer. Donc, les auditions... Mais l'affaire Le Mort, ils vont le faire longtemps. Hein, parce que comme tu dis, si bien la justice... Ben, la justice prend son temps. Donc, les affaires vont tomber les unes après les autres et ça va prendre des années. Donc, à chaque fois qu'il y aura un rebondissement médiatisation, ben, c'est parti pour l'éternité, vu la corruption astronomique qu'il y a eu. Et aussi... Ce qui va être... Oui. Oui.
Ce qui va être très drôle aussi, pardon pour les deux exemples, ce qui va être très drôle aussi, c'est de dire pour la justice, bah, comment ça a passé, c'est forcément à convoquer les responsables marocains aux auditions. Parce que Tonzeri, il a été décoré par Mawla quand même. Donc, c'est-à-dire, on les a pris la main dans le pot de confiture, hein, en plein dedans. Donc, il ne peut pas dire non, on ne sait pas pour ce genre d'affaires. Et derrière, il y a d'autres scandales qui vont venir. Parce que, par exemple, comment l'argent est arrivé et rentré depuis le Maroc vers l'Europe? Donc, c'est du blanchiment d'argent. Des valises diplomatiques, on a des faux rentre depuis le Maroc vers l'Europe pour courante saison. Donc, c'est deux dossiers, et puis ils vont commencer à sortir les noms des dossiers. Donc, sur quel dossier, par exemple, Bonzéry est intervenu? Est-ce que c'est le Sahara? Est-ce que c'est des dossiers pour demander l'armement? Est-ce que c'est des dossiers pour ne pas parler des droits de l'homme? Est-ce que c'est quel type de dossier? Donc, tout ça, ça va être des explosions qui arrivent. Allez, non, on va en sortir, Bonzéry, il est obligé de donner tout le monde pour avoir une réduction absolument. De peine. Il est obligé d'être clair et limpide sur toutes les personnes qui ont participé. Alors, moi, je pense que les responsables marocains sont, bon, à leur habitude coutumière, comme ils sont sérieux, et qu'ils ont l'habitude de jouer les serpillères de différentes puissances. Je pense qu'ils sont en train de lécher les pieds d'Israël pour le moment, les lobbies israéliens installés en Europe, pour essayer de voir comment ils peuvent camoufler ce dossier. Sauf que, malgré ça, l'Europe continue, on peut dire ce qu'on veut de la France ou de l'Europe, etc. Bon, ils essayent de quand même garder un semblant d'état de droit. C'est-à-dire, quand l'affaire est entre les mains de la justice, même un président, voilà, exactement. Et Sarkozy se fait condamner, c'est-à-dire qu'ils n'y peuvent pas. Même s'ils essaient vraiment de trouver une combine pour épargner le Maroc, maintenant que c'est dans les mains de la justice, ils savent très bien l'Europe, que c'est... La justice, il faut la chercher, la provoquer. Mais comme il y a... Voilà. Comme il y a quand même des gens qui sont épris de justice, on voit aussi des parlementaires faire bien se tenir droit. C'est souvent des gens d'extrême gauche, des verts. Et puis il y a aussi le lobby algérien qui est là, qui se défend. Hein. C'est-à-dire que la vérité éclate. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, sans parler de géopolitique. Il y a toujours une tendance de pays ou de force qui force un petit peu pour que les choses se disent. Parce que là, c'est vrai que l'Algérie, par rapport à ses frontières, quand on a l'alliance d'Israël, des États-Unis à ses portes, c'est qu'on craint, on peut craindre un petit peu pour la stabilité de l'Algérie. Donc, il y a le lobby qui ne va pas les lâcher. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. On est quand même forcé de constater que malgré toute la propagande qu'on entend sur l'Algérie, malheureusement, c'est déplorable de voir un tel niveau des deux côtés, malheureusement. Chacun faut focus sur l'autre. Mais le Maroc, il dépasse les bornes. Même en tant que Marocain, moi, je suis prêt à nous dire clairement, et je n'ai pas de problème, je trouve que le Maroc attaque de façon très basse les Algériens. Dans la presse, etc., ils n'ont pas quoi manger. C'est-à-dire un niveau, nous en a vraiment minable. Mais on est forcé de constater quand même que les Algériens n'ont pas été impliqués dans une Europe Gates, ils n'ont pas été impliqués dans les Pandora Papers, ils n'ont pas été impliqués dans les WikiLeaks Papers, ils n'ont pas été impliqués dans les Swiss Leaks, où le roi, on a vu des comptes bancaires du roi en Suisse qui ont fuité. Les Algériens n'ont pas été impliqués dans les Panama Papers. On peut dire que l'Algérie, quand même, elle a aussi un régime qui n'est pas tendre hein, avec le peuple donc, pour plusieurs choses, mais au moins, on n'a pas vu autant de compromissions ou de pourriture que ce à quoi on a assisté au Maroc. Et ou bien qu'ils sont plus intelligents, hein, de toute façon, hein, qu'ils ont des services secrets, qui travaillent de façon plus discrète. Et en tout cas, voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui dit beaucoup. On peut le reconnaître, une discrétion déjà. Et pas mal voilà. Par rapport au service secret. Ils n'ont pas un bar de la main qui s'active à chaque fois voilà. Qu'il y a une bêtise du Maroc pour en faire état. La politique extérieure aussi, c'est quand même bon, il faut dire que... Ils sont plus intelligents en politique étrangère. Voilà, on les entend parler. Ils ont une meilleure vision plus long terme. Quelle est la vision du Maroc? La vision du Maroc, c'est d'être le vassal de l'axe à tour d'Osmus, être son vassal, être le smiseur, se prosterner, embrasser les bottes de ses maîtres. Et donc, c'est ça, la politique étrangère, elle se résume à ça. Qu'est-ce qui va plaire à Washington, à Londres, à Paris, à Tel Aviv?
C'est ça la politique étrangère marocaine. Donc malheureusement, il n'y a aucune cohérence. Et d'ailleurs, ils prennent gifle après gifle. Hein, en Amérique latine, même ce qu'ils nous présentent comme des exploits, ils ont présenté à plusieurs reprises. Ah, on a réussi à avoir la reconnaissance contre le Polisario en Amérique latine. Quand il y a eu une vague de gauche qui vient de gagner les dernières élections en Amérique latine, et ils ont perdu la reconnaissance au Pérou. Ils se sont mis à dos le Venezuela parce qu'ils avaient reconnu sous pression des États-Unis Maduro. Pas Maduro, comment il s'appelle le bonhomme notre Juan Guaido. Ils avaient amené comme le président fantoche du Venezuela pour remplacer Maduro. Donc l'Amérique avait mis la pression sur le Maroc s'est exécuté sur place. Donc il est allé, il a dit oui, oui, moi je reconnais le coup d'État, c'est Guaido qui a gagné. Et bien Guaido a fini par mettre ses babouches et partir, voilà. Donc le coup d'État monté par les Max occidental a échoué au Venezuela. Et le Maroc s'est mis à dos la troisième réserve mondiale de pétrole, qui est le Venezuela. Et donc là, le Venezuela voit le Maroc comme un ennemi. Alors, donc ça, c'est des choses... On a eu une excellente question de People DZ. On va se mettre à dos l'État profond français encore une fois. On ne l'a pas fait exprès au début, mais là, on va le faire exprès, là, histoire de... Alors non, mais je plaisante. Alors une question, si quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît. Pourquoi le Polisario ne fait pas appel au groupe Wagner ? C'est pas bête, hein ? C'est pas bête. Il y a des Iraniens, apparemment. Il y a déjà l'Iran sur place. Alors, vous voyez ce qu'ils nous tuent ? Ils seraient efficaces dans la région. Ils répètent la même propagande que l'Israël. On est obligé de croire ça et de dire voilà, ils ont raison, ils ont trouvé les sécurités. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont crédibles, mais c'est catastrophique le niveau. C'est-à-dire, même le montage il aurait dit même la méchanceté et demande de l'intelligence. Voilà. Et ils ont la méchanceté de Dumbé Dumber. Voilà, donc, c'est des gens complètement. Ils ont un depuis. Même le montage, ils ne sont pas fichus de faire quelque chose de plausible. Mais les Iraniens, s'ils viennent au sud, rapidement, ils vont être bloqués. S'ils doivent appuyer demain, le Polisario, vraiment le Maroc. Israël est en train de chercher des hommes pour la défendre. Il est en train de chercher des agneaux pour essayer de se défendre et créer un bouclier contre l'Iran. Mais l'Iran, c'est la première puissance balistique du Moyen-Orient. Elle a le plus large éventail de catégories de missiles. C'est la première force navale du Moyen-Orient. Ils ont le plus de bateaux et de choses comme ça. Et ils ont venu raconter ça. Ils sont complètement, déjà, le niveau est catastrophique. Voilà. Moi, je suis croyant, je crois au bon Dieu, je crois à un certain nombre de choses, aux événements causés. Moi, je pense que c'est les régimes de la fin. Et c'était annoncé depuis toujours que les musulmans verront ce genre de régime. Et on ne peut pas en être plus bas. Voilà. C'est le fond du panier de ce qui peut exister comme mode de gouvernance. Voilà. C'est ce que les musulmans sont en train de se passer. Au-delà, pour les croyants, les non-croyants, de la religion... qu'on soit blanc, noir ou autre, je veux dire que ce régime n'est bon pour personne. Mais absolument, à part, je pense que même maintenant, il devient même néfaste pour la famille royale, avec les décisions qui sont prises à la hâte. La livraison de chars, je pense qu'elle sera fatale, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Voilà. En tout cas, oui, Asiane, si tu veux bien conclure, parce que j'avais pas prévu de faire un live aussi long sur la situation, sur le sujet. On revient sur la réaction du Maroc face à l'Europe et surtout à la Russie. On reviendra certainement, je ferai une vidéo sur ça ou un autre live, parce qu'il y a des éléments que j'ai pas pu partager aujourd'hui. Il y a eu un début de réaction de la Russie, donc je vais travailler sur ça et on fera peut-être un live demain ou après-demain. Donc une conclusion, Asiane. Conclusion, Inch'Allah. Oui, courte. De toute façon, je dis aux Marocains, il ne faut pas être étonné de ce qu'ils vont voir dans les mois et années à venir, le peu de mois, des alliances de plus en plus marquées. Le Maroc est allé agresser le Yémen, donc sous injonction de ses maîtres. Il a rompu avec le Venezuela, il a rompu avec plusieurs pays, l'Iran, il est en train de se prendre à dos la Russie. Il ne faut pas être étonné de ce genre de choses. J'ai l'impression qu'ils font tout le contraire de l'Algérie.
tout le contraire. Voilà, l'Algérie essaie elle est considérée comme dans l'axe de l'Est avec la Russie. Mm-hmm. Néanmoins, l'Algérie essaie de garder quand même des rapports équilibrés. Voilà. Ceux-là, ils sont clairement. Même Israël, la France dernièrement, voilà, il y a une certaine intelligence par rapport à. Là, on veut dire on est des chiites, voilà. Ou quoi. Mais là, on parle de la. On fait l'éloge. Asiane, ouais, demain, tu seras dans la main. Demain, ils vont. Ouais. Un agent algérien. Non, mais on ne fait l'éloge de personne. Moi, l'Algérie, je ne fais pas l'éloge de personne. Je suis forcé juste de constater de manière objective qu'ils sont noirs, moins débiles. Un certain équilibre, voilà. C'est vrai qu'ils essaient de venir. On parle de politique extérieure. Extérieure, c'est vrai. Même Israël, qui est un enfant gâté de l'axe occidental, elle s'est abstenue de livrer des armes à l'Ukraine. Parce qu'elle connaît les conséquences. Même Israël, c'est-à-dire eux, ils se sont dit non, on ne veut pas se prendre de la Russie. Voilà. Israël, qui a une meilleure position, est-ce qu'on veut. Donc, ces gens-là, Même quand on les a. Ils sont en train de mener, malheureusement, le peuple marocain est en train d'être. C'est la soumission à tout prix. Voilà. C'est la soumission à ses maîtres qu'on se soumet plus que les autres. Ouais. Exactement. Les larbinismes, comment dirait très bien. C'est le larbinisme. Voilà. Ils sont des experts en larbinisme. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sylphilani. Merci beaucoup pour votre propos aussi. Il y a Dounia dernière intervention de Dounia qui dit que Mohamed VI est prêt à tous nous sacrifier pour son bien personnel. Ah oui, ça c'est très bien. Ça sera le mot de la fin, le mot de l'apocalypse. Je pense qu'il y a quelque chose à voir. Voilà. Donc, tu connais la série Narcos? Oui, très belle série, oui, magnifique. Eh ben, c'est Narcos au pouvoir. Voilà, c'est aussi simple. C'est Narcos. C'est Narcos. Il faut voir les choses comme ça. Voilà, Narcos, version de Bilderberg. c'est exactement ça. Voilà. Écoutez, très bonne soirée. Merci, Asdian. Merci beaucoup. Merci bonne pour ton intervention, toujours pleine d'intelligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Très bonne soirée à tous. À toi. Très bonne soirée. Big up à toi. Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. On va se quitter, les amis, en musique. Big up encore une fois à Asiane, à Dounia, qui a posé sa question. Elle avait une question, elle l'a posée elle-même. Et bien sûr, big up à toutes les personnes. On va chiller encore quelques secondes, peut-être même quelques minutes ensemble. Je vais vous lire sur le chat. Et je vais vous inviter surtout à me rejoindre sur TikTok parce qu'on va commencer à 1000 abonnés les lives du matin. On prendra le café ensemble. C'est une ambiance tout autre. Et on travaillera aussi les lives du soir ensemble le matin. Je prendrai un peu vos idées pour voir quelles thématiques on pourra traiter durant la soirée. Donc, je vous laisse le lien TikTok, voilà, pour les lives du matin. Donc, c'est un concept qui avait très bien marché durant la saison 1. Il y a quelques temps, on le faisait sur Twitch. Là, ça va être sur TikTok. On évolue. Avec les réseaux du moment, la Twitch, on laisse tomber pour TikTok, c'est bien plus sympa, il y a bien plus de monde surtout. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien est ici, allez sur TikTok, ça sera tous les jours à partir de 10h du matin, 9h, on verra. On prendra le café ensemble. Oui, j'ai Twitter, PeopleDZ. Dounia va partager le Twitter, sinon tu vas sur ma chaîne, tu trouveras tous les liens. Je vais vous lire un petit peu. Benjamin de la Sierra nous dit « Le parti pris par Arte est flagrant. Il ne faut pas nier, comme tous les obtus de IHA et de parlementaires marocains, l'absence des droits humains au Maroc, donc de la liberté de la presse. » Mais à... Bon, a fini sa phrase... Abdelhamid nous dit ce qu'a dit Dounia
Mohamed VI est prêt à sacrifier 36 millions de Marocains pour sa famille royale. Mais de toutes les manières, le sacrifice est fait depuis toujours. Jamais la famille royale, le régime marocain n'a pensé au peuple marocain. Il pense toujours à son intérêt et à continuer d'esclavagiser le peuple marocain, fier peuple berbère, pour en faire de la chair à usine. Voilà tout. Voilà tout. Et c'est bien ça qui fait le malheur du Maroc. C'est bien ça qui fait le malheur du Maroc. Cette haine du pouvoir pour le peuple marocain. Les amis, on va se quitter sur quelques notes bluesy et je vous donne rendez-vous pour demain. Ça sera soit un live, soit une vidéo, comme d'habitude. On sera là à 20h, toujours au rendez-vous. Même si ces derniers temps, c'est pas encore ça, mais ça va venir, ça va venir. 20h, restez au rendez-vous sur cette chaîne tous les jours, du lundi au dimanche. Et n'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur.